Chers confrères, chers consoeurs, pardon, j'aurais dû dire chers consoeurs, chers confrères, chers amis de l'Académie, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance délocalisée de notre Académie. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue et espérer que vous êtes tous en bonne santé, épargnés par le fléau du Covid. Et que vous avez les uns et les autres réussi à vous faire vacciner parce que c'est dans la vaccination que viendra le salut pour une fois. C'est ce que je crois. Et d'ailleurs, il faut mettre en veilleuse les discours alarmistes sur les variants d'ici ou de là et penser qu'avec une vaccination bien faite et couvrant la plus grande partie de la population, eh bien, nous maîtriserons ce fléau. Alors, je voudrais d'abord nous excuser, Jean-François et moi, d'avoir placé cette séance un jour férié, l'anniversaire de la victoire de 45, le 8 mai. Mais vous remarquerez que le mois de mai est extrêmement difficile chaque année. Nous avions le choix entre le samedi 1er mai, fête du travail, le 8 mai, fête de la victoire. Ensuite, nous avons le week-end de l'Ascension, puis le week-end de Pentecôte. Donc, c'est le 8 mai finalement que nous avons choisi, pensant qu'il était le moins perturbateur pour vos projets d'externalisation. Voilà, donc c'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle séance délocalisée qui va nous permettre d'entendre la conférence de Francis Delabarre sur Pierre Mendès. Je n'ai personnellement, à part André Tessier à excuser, puisque j'ai reçu un mail ce matin, peut-être certains d'entre vous aussi, sur son état de santé, mais il nous a rassurés d'emblée en nous disant ce n'est pas la COVID, mais il n'est pas en état de nous accompagner ce matin. Donc je passe la parole à notre secrétaire perpétuel Jean-François Zorn, qui va peut-être excuser d'autres personnes, et sinon qui va nous présenter le conférencier Francis Delabarre. Jean-François, c'est à toi. Merci, cher Jean-Pierre, cher président. Oui, je dois excuser aussi Jean-Pierre Nougier, pas de problème de santé. Michel Monod, qui étant conseiller municipal, est retenu par des obligations commémoratives. Et Isabelle Columeau. D'autres personnes ne se sont pas signalées. Eh bien, chers consoeurs et chers confrères, chers amis, il me revient le privilège, le plaisir de vous présenter notre conférencier du jour, Francis Delabarre, qui occupe le fauteuil 31 de notre compagnie depuis le 3 mars 2019. Francis a été parrainé par notre regretté confrère Yves Jaffrenoux et il est entré dans notre compagnie 3 ans auparavant. Et le 5 octobre 2019, vous vous en souvenez sans doute, il nous avait offert un discours d'accueil remarqué intitulé Fauteuil 31, destin d'immortel. Exposé, conférence qui sera publiée dans le volume 7 des Mémoires de l'Académie dont nous parlions un instant et que vous aurez le privilège bientôt d'avoir entre les mains. Francis Delabarre est diplômé de l'École nationale supérieure d'art de Bourges, où il a reçu une formation graphique et technique d'édition et de presse. Il fut successivement maquettiste, directeur artistique de presse magazine, notamment les magazines Planète, Femmes pratiques, Tempo médical et édition publicitaire Air Tour. Packager éditorial, freelance, pour les éditeurs suivants, CNRS, Documentation française, Fayard, Perrin, Plomb, Pygmalion. Directeur de collection aux presses de la Cité, Acropole Solar, et fondateur et directeur d'Équipage, une SARL, édition et packaging marketing direct. Parmi ses très nombreuses réalisations, je retiens quelques titres. Le guide du Paris révolutionnaire en collaboration avec Yves de Sainte-Agnès en 1989, Sur les pas de Joséphine et Napoléon, raconté aux enfants en collaboration avec André Castelot en 1991, c'est d'actualité, Images d'Empire 1930-1960, un ouvrage
concernant la photographie officielle dans l'Afrique française de l'époque, en collaboration avec Pascal Blanchard et Nicolas Bancel en 1997, et enfin en Les origines de l'humanité, en collaboration avec Yves Coppens, Pascal Pic et 28 autres contributeurs scientifiques internationaux en 2001. Cela étant dit, je m'adresse maintenant plus directement à toi, Francis. Tu es issu d'une vieille famille des Cévennes qui disposait d'une belle demeure à Avez. Tu as successivement résidé à Bordeaux, Béziers, enfin avec ton épouse Mireille à Paris, tout en revenant passer près de la moitié de l'année dans les Cévennes. À Avez d'abord, et puis dernièrement à Bréau-Salagos. Cette compétence que je viens de rappeler, tu l'as également fait partager avec notre pays viganais, puisqu'en 2011, tu as prêté au musée Cévenol du Vigan des albums photographiques familiaux. Et ce beau geste de partage et de générosité a permis, outre la tenue d'une exposition, la publication d'un catalogue d'expositions intitulé « Entre Égual et Causse, regard de deux photographes, 1890-1910, Jean Tessier et Jacques de Joly ». Puis ensemble, dans le cadre du comité mémoire du Pays Viganais 1914-1918, nous avons, sous ta direction, organisé en 2017 une exposition itinérante intitulée « Art plastique du centenaire en Pays Viganais » qui a été vue au cours de l'été, puis de l'automne successivement au musée Cévenol du Vigan, à la salle polyvalente de Bréau et à la salle des fêtes d'Alzon. Aujourd'hui, 8 mai 2021, jour anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie à la suite de sa capitulation et de la commémoration donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu vas nous donner une conférence intitulée « Main des France, le résistant ». Je sais combien ce personnage, malheureusement trop oublié de notre mémoire historique, te tient à cœur. En effet, en 1992, tu avais publié chez Plon, en collaboration avec Richard Dartigues, une biographie illustrée de Pierre Mendès France, « La passion de la vérité ». Aussi, sans plus attendre, je te donne la parole pour nous transmettre ta passion de Mendès France, le résistant. Communément, on appelle Pierre Mendès France Mendès, tout court, ce qui est plus facile parce que le nom est long et qu'il revient assez souvent. Donc, voilà. Pour quelle raison me suis-je intéressé à Pierre Mendès France? Alors, nous sommes en 1990, lors d'une soirée entre amis. Nous évoquons parmi les figures politiques marquantes du temps de notre jeunesse, celle de Pierre Mendès France, dont l'un d'entre nous, Paul Martinet, un ami, a été un proche collaborateur. Une question fuse. Au fait, à quelle date est-il mort? 18 novembre 1982, il avait 75 ans. 10 ans déjà, 10 ans bientôt. Ma réaction est immédiate, et si nous marquions cet anniversaire en réunissant témoignages, récits et photos, si nous rendions hommage à Mendès dans la vie et l'itinéraire, j'ai un trouble de la vue, les actions, les prises de position ou d'opposition pour son sens de l'État ont laissé une empreinte si singulière dans l'histoire de nos républiques. À 17 ans, en 1954, j'ai été marqué par l'implication et la ténacité de Mendès dans le règlement de la guerre d'Indochine, alors que simultanément se produisaient les événements de la Toussaint Rouge en Algérie, événements qui me concerneraient directement 6 ans plus tard. En effet, j'ai fait mon service militaire en Algérie pendant 28 mois. L'idée est lancée, le projet de livre prend corps avec la complicité de Richard Dartigues, qui était le secrétaire politique de Mendès depuis 1959. Le soutien chaleureux de Bernard et Michel Mendès France, les deux fils du président. Le soutien chaleureux de l'Institut Pierre Mendès France en la personne de Marie-Claire Mendès France, sa seconde épouse. Les éditions Plon donnent leur aval et le livre dont j'ai le plaisir d'offrir l'un des derniers exemplaires à l'Académie des Hauts-Cantons, qu'ils pourront, et les membres pourront le consulter dès que nous pourrons nous réunir.
26 ans plus tard, les éditions du CNRS publient « Écrit de résistance » que Pierre Mendès France a consigné au jour le jour en 1943. Ces réflexions, ces notes, ces observations qui sont l'expression intime et sensible d'un homme d'action et d'expérience contraint au silence lorsqu'il rejoint dans une période troublée le général de Gaulle à Londres et les Français libres du groupe Lorraine des forces aériennes françaises libres. Pierre Mendès France était capitaine de l'armée de l'air. C'est sur ces précieux documents que je m'appuie pour évoquer un aspect peu connu de la vie de Pierre Mendès France. Alors, on va présenter Pierre Mendès France, puisque vous avez dit tout à l'heure, Président, qu'il était sorti un peu des mémoires de l'époque. Effectivement, ça fait quand même plus de 70 ans, la guerre. Pierre Mendès France est un jeune homme pressé. Son ascension est particulièrement rapide. Nous allons évoquer brièvement ses origines et les brillantes étapes de sa formation scolaire et universitaire et sa trajectoire politique aussi météorique entre 1922 et 1939. Pierre Mendès France est né à Paris le 11 janvier 1907 d'une famille juive d'origine séfarade portugaise portant le nom d'origine de Mendès da França. Émigré en France et installé d'abord à Bordeaux, puis à Paris. Il possédait une entreprise de confection. La famille Mendès se définit comme laïque. Pierre Mendès France, c'est juif. Ce n'est ni un fait religieux, ni un fait racial, mais une sensibilité et donc une réalité, dit-il lui-même. Mendès réussit un cursus scolaire et universitaire exceptionnel pour son âge et cumule les succès scolaires. D'abord, un bac à 15 ans. Il fait toutes ses études à Paris, il entre à la fac de droit pour être avocat, en même temps qu'il s'inscrit à l'École libre de sciences politiques de Paris, dont il sort troisième de sa promotion. De 1923 à 1928, en 5 ans d'un parcours sans faute, tout en militant à la Ligue d'Action Républicaine et Socialiste, il adhère au Parti Radical à 17 ans, obtient à 19 ans sa licence de droit et son diplôme de Sciences Po, à 20 ans s'inscrit au barreau de Paris, le plus jeune avocat de France. Au Parti Radical, Mendès est avec Jean Zay et Pierre Cotte dans le groupe des jeunes Turcs qui veulent rénover le parti, les institutions et l'État. À 21 ans, il est le plus jeune docteur en droit de France. Quel parcours! Il fait ses premiers pas en politique en 1922, entre 1922 et la fin de ses études. Très vite apparaissent les choix philosophiques. Pierre Mendès France et Pierre Mendès France, son intérêt pour la politique et l'économie se manifeste très vite. C'est un démocrate de gauche. Il se manifeste par un état d'esprit qui marquera l'histoire, pour son caractère plus que par ses idées et par sa rigueur morale et son courage. Il incarne la vertu et a été la conscience de toute une génération. Tout en achevant son cursus universitaire, il s'engage dans la vie publique. C'est d'abord le hasard qui conduit Mendès France dans le département de l'Eure. Pour les premières fois en 1927, il a 20 ans. En 1930, Mendès s'installe à Louviers, ouvre son cabinet d'avocat et parcourt la circonscription afin de préparer à 23 ans sa future campagne électorale. Louviers, la section du Parti radical, cherche un candidat pour sa circonscription aux prochaines élections législatives de 1932. Élu député de l'Eure, à 25 ans, le plus jeune député de France, bientôt il épouse en 1933 Lili Sicurel, artiste peintre, jeune juive d'origine égyptienne, dont deux enfants naîtront, en 1934, Bernard et Michel en 1936. Pierre Mendès France épouse donc Lili Sicurel, artiste peintre, en 1933, je viens de le dire, l'élection de Mendès à la mairie de Louviers en 1935. La circonscription était réactionnaire et essentiellement rurale. À la surprise générale, y compris la mienne, j'ai été élu. En juin 1936, le Front populaire réunit radicaux socialistes communistes et la coalition emporte les élections législatives. À 29 ans, il est élu conseiller général de l'Eure. Il est le seul député à voter contre la participation de la France aux Jeux olympiques de Berlin. Il soutient le Front populaire, malgré un désaccord avec Léon Blum sur sa politique monétaire et surtout sa décision
de non-intervention dans la guerre civile espagnole. Mendès est l'un des premiers maires de France à proposer l'élection des femmes au conseil municipal, alors qu'elles n'ont pas encore le droit de vote et qu'elles devront encore attendre une décennie. En 1938, il est sous-secrétaire d'État au Trésor dans le deuxième gouvernement du Front populaire et en 1939, le 3 septembre, après l'attaque de la Pologne par la Wehrmacht, la France déclare la guerre à l'Allemagne. À 31 ans, Pierre Mendès-France est maire, conseiller général, député et sous-secrétaire d'État dans un gouvernement de gauche et se trouve déjà au cœur de la vie sociale et politique de son pays. Un pays qu'il sait complexe, simultanément rural, conservateur, industriel et progressiste, parfois révolutionnaire, multiconfessionnel, mais toujours républicain. Une ascension véritablement remarquable et remarquée, mais là, le destin de Pierre Mendès-France bascule. 1940, l'invasion allemande. Pierre Mendès-France est lieutenant de réserve. Il est mobilisé en septembre 1939, avocat de métier, maire de Louviers et député du Parti radical. Il peut bénéficier d'un statut de député-maire pour se faire affecter à un poste sédentaire près de Paris, mais il refuse cette possibilité et entend servir dans un poste actif dans son arme, l'aviation. Il est donc affecté pendant la drôle de guerre comme personnel auxiliaire navigant au Levant, région qui est sous le commandement du général Weygand. Après un stage en Syrie, il obtient son brevet d'officier navigant en avril 1940. Il bénéficie d'une permission, vient à Paris pour voir ses parents, et Mendès se trouve le 10 mai 1940 au moment de l'invasion allemande. Il fait aussitôt une demande pour être envoyé au front. Entre plusieurs démarches auprès des autorités du ministère de l'Air, dont les réponses se font attendre, il sera à Louviers pour aider ses administrés, à faire face au flot des réfugiés qui submergent la région parisienne à l'ouest du pays. Ce n'est que le 10 juin 1940 qu'il reçoit son affectation à une unité aérienne basée à Bordeaux. De Louviers, Mendès se met aussitôt en route, mais il faut passer par Paris, prendre un ordre de mission au ministère de l'Air, puis trouver un moyen de transport pour aller à Bordeaux. Le 14 juin 1940, alors que les Allemands entrent dans Paris, le gouvernement de Paul Reynaud doit évacuer à Tours avec toutes les équipes administratives et se transfère à Bordeaux à son tour. À Louviers, la Wehrmacht a déjà investi le secteur. Les ponts sur l'Eure, minés par l'armée française se repliant, ont sauté. Les routes sont bombardées par la Luftwaffe. L'artillerie et les blindés allemands sont proches et les tirs des plus violents. Touchés par un mitraillage ennemi, la voiture de Mendès est devenue inutilisable. Légèrement blessé par un éclat d'obus, il se soigne par ses propres moyens. Vainement depuis sa mairie déserte, il cherche un autre véhicule, mais plus aucune ligne téléphonique ne fonctionne et pas une âme qui vive pour l'aider. Dans l'un de ses carnets, Mendès écrit « Assez tard, je finis par trouver une commerçante qui s'enfuit affolée vers Paris » et qui consent à me donner une place dans sa voiture. Elle n'a presque plus d'essence. À Bonnières, des gendarmes me donnent un litre d'essence à briquet, le seul carburant qui existe encore dans le village. De Louviers à Bordeaux, Mendès décrit les difficultés rencontrées pour rejoindre son poste en même temps que le spectacle dramatique des files interminables des Français mitraillés sur les routes, traumatisés, pris au piège entre l'avance allemande et le reflux d'une armée française en déroute. Mendès est accablé de désastre et son impuissance à pouvoir intervenir. Il écrit « Plus loin, un soldat français est à terre, un mort, non, un blessé. Il gémit, il me supplie de l'emmener, il ne veut pas être pris par les Allemands. Hélas, que puis-je faire pour lui? Il a une jambe brisée au-dessus du genou. Il perd son sang, avec sa cravate, je fais une ligature très serrée, malgré ses plaintes, et je dois l'abandonner. Qu'est-il devenu? A-t-il pu être sauvé ?» Après 7 jours de voyage, Mendès réussit à rejoindre Bordeaux le 17 juin pour se présenter à son unité. Nouveau contretemps. Celle-ci a déjà quitté Bordeaux et se retrouve désormais repliée à Meknès, au Maroc. Pour la rejoindre, Mendès se met en quête de sa hiérarchie. Ce 17 juin, au cours du Conseil des ministres, le gouvernement se divise irrémédiablement entre les partisans de la poursuite du combat en AFN et les partisans de l'armistice. La tension est extrême. Mis en minorité, Paul Reynaud
président du Conseil et remplacé à la tête d'un nouveau gouvernement par le maréchal Pétain. Ce même 17 juin, le général de Gaulle, secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, s'envole de Mérignac pour l'Angleterre. Le lendemain 18 juin, il lance son appel historique. Mais la préoccupation de Mendès à ce moment-là est de rejoindre son unité au Maroc. Pour y arriver, il réussit à se joindre à l'ensemble des personnels militaires et civils qui vont embarquer sur un paquebot qui s'appelle le Massalia et qui est ancré à l'estuaire de la Gironde. Le partage est décidé. Le président de la République, Albert Lebrun, et le maréchal Pétain se mettent d'accord pour que le départ du gouvernement et des parlementaires pour l'Algérie puisse embarquer sur le bateau. L'Empire et les armées d'Afrique permettront de redresser la France, de faire face aux Allemands et de tenir la Méditerranée, pense-t-il. Le maréchal, lui, reste à Bordeaux avec trois ministres pour y attendre l'arrivée des Allemands le 27 juin 40. Le paquebot Massilia, mis à disposition par l'amiral Darlan au personnel de la République pour se rendre au Maroc et gagner l'Algérie ensuite. La décision du Conseil des ministres du 17 juin ne sera pas complètement exécutée du fait des conditions de l'armistice et ce sont seulement 26 députés et sénateurs sur quelque 900 parlementaires des deux chambres qui vont s'embarquer sur le Massalia 4 jours avant la formation du gouvernement de Pétain et à la veille de la signature de l'armistice. En fin de compte, le 21 juin embarque à bord du bateau outre les membres du gouvernement, les 26 députés et sénateurs, Pierre Mendès France et son collègue et ami Jean Zay. D'autres personnes souhaitent continuer la lutte pour échapper aux nazis et qui déferlent sur le pays. Le 22 juin 1940, la convention d'armistice est signée en présence d'Hitler par le général Hunziker, c'est un nom qui nous dit quelque chose dans le pays et dans le massif de l'Aigoual où son avion s'est écrasé, et le général Kettel pour l'Allemagne, dans le wagon de Rotonde, près de Compiègne. Au début d'après-midi, le Massalia lève l'ancre à destination du Maroc. Celui-ci arrive à Casablanca le 24 juin. À l'accostage, une foule en colère attend les passagers sur les quais et ils sont conspués sur ordre du général Charles Nogues, résident général au Maroc. Les passagers du Massalia sont consignés à bord du navire. Il y a trop de personnes qui sont en conflit avec le nouveau gouvernement Pétain pour qu'on laisse les gens débarquer comme ça. Et l'administration en Algérie, à ce moment-là, est sous la direction, à partir du gouvernement Pétain, sous la direction de Vichy. À bord, outre Pierre Mendès France, ancien sous-secrétaire d'État au Trésor, se trouve Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale, et parmi les politiques les plus connus, Édouard Daladier, Georges Mandel, Paul Reynaud et le général Maurice Gamelin. Au sujet de Nogues, constatant ses positions et revirements successifs, Mendès écrit « Nogues, qui au début affirmait des intentions de résistance, devenait évasif. L'envoi du Massalia en grande rade, qui constituait un internement de faits, montrer que les autorités maritimes et militaires en général avaient décidé de s'incliner devant les instructions venues de Bordeaux. C'est pourquoi il est nécessaire de bien comprendre son tempérament et les mobiles qui l'ont amené à l'abdication contre son sentiment profond. Il était le chef qui aurait dû imposer son consentement, son commandement. Nogues recevait chaque jour des télégrammes impératifs de Pétain et de Végan qui faisaient appel à des sentiments de discipline. En définitive, Nogues, administrateur de grande classe avec d'indiscutables qualités intellectuelles, manifesta dans cette circonstance un manque total de caractère et d'initiative. Les remarques de Pierre Mendès France sur le personnel politique de l'époque constituent un intérêt particulier parce qu'il peint un tableau très complet de la façon dont les choses se sont déroulées et partagées entre résistance et collaboration. Une fois débarqué, Mendès France est pris en charge par le général Dastier de la Vigerie, commandant les forces aériennes du Maroc. Mais 2 mois plus tard, le 31 août 40, Mendès est arrêté à Rabat sur un ordre de Vichy, transmis au résident général Nogues, sous la fallacieuse accusation de désertion devant l'ennemi, le même motif que pour Jean Zay.
D'août à septembre 1940, Mendès est emprisonné à Casablanca, puis transféré en métropole via Marseille et déféré devant le tribunal de la 13e région militaire et interné à la prison de Clermont-Ferrand. La prison militaire en 1941 accueille, celle de Clermont accueille Mendès qui partage une cellule à proximité de celle de Jean Zay. Après une période de fort abattement moral, il reprend le dessus, s'adapte à son isolement, réussit à communiquer avec son voisin et entreprend de contacter un avocat pour assurer sa défense. Il est lui-même avocat. Choisir un avocat dans une ville où il ne connaît personne est aussi difficile que cela lui était arrivé à Casablanca au moment de son arrestation. Mendès écrit « Le courage n'est pas très répandu à Clermont-Ferrand, peu d'avocats ambitionnent de me défendre. La plupart de ceux que je connaissais avant la guerre sont dispersés par les événements et ou prisonniers en Allemagne ou bien domiciliés en zone occupée de sorte qu'ils ne peuvent suivre utilement une procédure en zone libre. » Après plusieurs contacts infructueux, Mendès réussit lui-même à convaincre Maître Rochat du barreau de Clermont et Maître Fonlup Esperabert du barreau de Strasbourg, réfugié à Clermont, dont il dit avec une grande reconnaissance « Du jour où je les ai sentis près de moi, j'ai été moins seul. » Mendès France est donc déféré devant le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, tandis que Léon Blum, Paul Reynaud, Édouard Daladier, Georges Mandel et le général Maurice Gamelin seront jugés civilement à la Cour de justice de Rion, sans véritable motif juridique. En 1941, le procès de Clermont-Ferrand de Mendès arrive à jour au moment de l'ouverture du tribunal. Le procès de Mendès-France se tient le 9 mai 1941. De tous les accusés jugés à Clermont ou à Rion, Mendès-France est celui qui se défend avec le plus d'ardeur, de conviction, de panache et de ténacité, tant il est animé par sa foi dans les principes républicains de la justice. Le verdict est proclamé dans la salle d'audience de Clermont, qui a été évacuée, ni public ni juge. C'est le greffier du tribunal militaire qui donne lecture de l'arrêt. Le lieutenant Mendès-France est coupable de désertion à l'intérieur en temps de guerre. À la majorité de 6 voix contre 1, oui, l'accusé est coupable. En conséquence, le tribunal condamne le lieutenant de réserve Mendès-France Pierre, à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à la perte du grade de lieutenant de l'armée de l'air. Face à l'iniquité du jugement, Mendès s'avance vers le colonel de Gache, commissaire du gouvernement, qui baisse obstinément la tête. « Je vous souhaite le repos de votre conscience. Vous avez bien travaillé pour Hitler et pour votre avancement. » Le condamné se retourne alors vers la garde. Les gendarmes sont blêmes. Il s'avance vers eux et leur dit: on vient de condamner un innocent par haine politique. Ce n'est pas la justice de la France, c'est celle d'Hitler. Ne désespérez pas de la France. Il est 2 heures du matin, les gendarmes amènent Mendès et le reconduisent à la prison. Malgré l'heure, il règne une certaine effervescence. Les gardiens connaissent déjà le verdict. En montant dans les étages pour rejoindre sa cellule, à travers les portes, Mendès entend les détenus qui l'appellent, l'interrogent, l'encouragent. Mendès écrit: je m'aperçois que mon affaire les touche plus profondément que je ne pensais, mais certains d'entre eux que je ne connais pas se manifestent aussi. Leur solidarité compte plus que moi pour l'opinion, que l'opinion de 4 ou 5 officiers qui viennent par ordre de Vichy de salir leur uniforme. Le lendemain, son avocat, Maître Fonlup Esperabert, se rend au greffe du tribunal pour s'informer sur le dépôt d'un pourvoi en cassation qu'il conseille à Mendès de signer le plus vite possible, compte tenu des lenteurs de l'administration, mais il est déjà certain que Vichy mettra tous les obstacles possibles et manifestera la plus mauvaise volonté pour y répondre. Dans un livre paru en 2004, Un tribunal au garde à vous, Jean-Denis Bredin fait le portrait de l'Académie française, fait le portrait d'un homme debout qui, après le verdict, est écrit au maréchal pour lui dire qu'il voulait regarder en face ceux qu'il aimait. L'auteur explique comment Pierre Mendès-France, pendant des mois, a inventé sa témérité au jour le jour. Il lui faut une fermeté de caractère et une volonté sans faille
pour tenir le coup, pour lire une presse qui l'a sali et qui préfère une défense en cassation pour lui-même. Hélas, sans surprise, son pourvoi est rejeté. Il n'a plus qu'une seule chose à penser, s'évader. Un moment propice se présente. Il est transféré le 13 mai 41 pour insuffisance hépatique à la Providence. L'hôpital militaire de Clermont devenu hôpital-prison, moins surveillé que la prison militaire. Mendès n'aura qu'un mois à peine pour prendre connaissance des lieux et finaliser les détails de son projet d'évasion. Le 21 juin 41, il réussit à s'évader, mais une évasion ne consiste pas seulement à faire le mieux. C'est avant tout un état d'esprit, une volonté farouche. Ce sont aussi des contacts à prendre pour se créer des complicités à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison, pour se procurer des moyens financiers, obtenir des faux papiers d'identité et de surcroît, en 1942, des tickets de rationnement indispensables pour se tenir. Mendès applique un principe absolu, quel qu'il soit, se méfier de tous et de chacun. Toute cette organisation fait partie de l'état d'esprit de Mendès. Alors, toujours en 1941, on aborde le moment intéressant de l'évasion de la Providence. C'est une évasion rocambolesque et avec un épisode assez drôle. Mais avant de refermer derrière lui la fenêtre par laquelle il s'est évadé, Mendès laisse une lettre pour le maréchal qui lui sera d'ailleurs transmise. Il a écrit à ce moment-là « Je ne peux accepter l'infamie d'un verdict de flétrissure proclamant que j'ai failli à mon devoir élémentaire de français à l'heure où la patrie était en danger. » Je ne peux laisser affirmer mon déshonneur sans user du seul moyen de protestation qui me reste et le plus solennel, le plus éclatant. Je reprends une liberté à laquelle je n'ai pas cessé d'avoir droit. Les péripéties vécues par Mendès au cours de sa détention et de son évasion sont connues, mais pas toujours dans les détails du dernier épisode que casse juste avant la liberté. Ayant franchi tous les obstacles, évité les gardes et les rondes sur son trajet pour arriver enfin sur le mur de la prison qui longe l'avenue Albert Ier, c'est le dernier moment, le saut dans la rue. Un saut de 7 mètres tout de même, à ne pas rater. Une foulure, un os brisé et l'évasion risque d'être irrémédiablement compromise. La suite de l'aventure aussi. En haut du mur, précisément au moment de se laisser glisser, juste en dessous dans la rue, un jeune couple d'amoureux abrité sous un arbre à 2 mètres du mur s'enlace, s'embrasse et murmure pendant de longues minutes avant de continuer son chemin. 10 minutes, une éternité d'angoisse pour Mendès. Il écrit, de façon assez drôle d'ailleurs. Ils discutent de leur emploi, de leur soirée. Lui a une idée très précise. Elle hésite, elle résiste. Cela dure un siècle, je veux dire 10 minutes. Dans ces 10 minutes peuvent devenir tragiques pour moi. À 11h, il y a la sortie du cinéma qui rend la rue très animée pendant un moment. Les tourtereaux débattent toujours. Ce garçon manque d'autorité. Enfin, elle dit oui. Chère petite amoureuse inconnue, peut-être lirez-vous plus tard ce livre où vous jouez un rôle bien inattendu. Rappelez-vous, c'était le soir du 21 juin 1941. La faute que vous avez commise ce soir-là, je l'ai souhaitée, je vous le jure, plus passionnément et plus impatiemment encore que votre jeune amoureux. Mendès a réussi son plan, un sans faute. Il est 22h55, la rue est calme, aucune alerte ne s'est déclenchée dans l'enceinte de l'hôpital à la Providence. Il n'y a pas de surveillance des prisonniers de nuit et le premier contact se fait au réveil à 7h du matin. Il dit « L'avenue est vraiment vide, une auto passe dans une rue transversale, au loin un café laisse filtrer une lumière ». Tamisé, une musique de guinguette, il fait très chaud, mais un petit vent inhabituel caresse ma figure, un petit vent doux qui ne souffle jamais en prison. Je suis libre. Et la cavale commence et la traque avec. Je suis libre, un sentiment qui ne durera guère longtemps. Mendès sait qu'il va être très vite recherché. Un autre sentiment ne va plus désormais le quitter, l'angoisse d'être reconnu. Mendès prend le temps de laisser bien en évidence au pied du mur de la Providence et à proximité d'un café les traces de son évasion, objets, vêtements, des lettres qu'il jette au passage dans une boîte aux lettres de la poste, divers papiers et enfin d'orienter la gendarmerie qui va forcément se lancer à cette trousse sur une piste plus loin de la gare située non loin de la Providence.
Par des rues détournées, il arrive à la gare et réussit à prendre le train à 23h25 pour Grenoble. Avec deux changements en route, le train est en retard. Mendès se fait tout petit dans un recoin de la gare pour ne pas être remarqué. L'angoisse le reprend. Si quelqu'un le reconnaissait, sa photo a été publiée dans les journaux, placardée sur les murs de Clermont. Suren, écrivaient les Allemands, recherché. Mendès écrit, après minuit, le train entre en gare. Il y a un monde fou pour le prendre. Les voyageurs doivent s'y entasser, en l'occurrence, cette cohue me convient très bien. J'arrive à me caser dans un compartiment de troisième classe, dans lequel 14 personnes se trouvent déjà, et il y a théoriquement 10 places. Dans le couloir, des dizaines d'hommes et de femmes voyageront debout. Après une nuit blanche et épuisante, et malgré la peur qui lui tenaille le ventre, particulièrement pendant les 20 minutes interminables de l'arrêt à Vichy. Un arrêt à Vichy, un comble. Il y connaît tellement de gens venus de Paris depuis Vichy, et le siège du gouvernement de l'État français. Le 22 juin 1941, dans la matinée, Mendès arrive à Grenoble. Dans l'immédiat, il va tenter de se faire oublier, attendre que son évasion ne fasse plus la une des journaux. Pour se loger, il préfère s'installer dans un bourg proche de Grenoble, moins surveillé qu'une grande ville. Il s'y rend à pied, cherche une chambre à louer, en particulier, plutôt chez un particulier, plutôt qu'une chambre d'hôtel ou une pension meublée. L'identité des clients est assez souvent contrôlée par la police, mais il n'a aucune adresse précise où se rendre. Finalement, cette recherche infructueuse et fatigante le conduit à regret vers la pension J, et dans plusieurs endroits, que ce soit pour les lieux de villégiature ou les personnes, il met simplement des initiales de façon à ne pas révéler les noms des gens avec qui il a été en contact. Chez une dame accueillie par une logeuse, il explique son cas et heureusement, il y a une chambre disponible. Son cas, c'était de dire qu'il était en vacances, en repos, parce qu'il avait été malade et qu'il cherchait une maison plutôt à la campagne. Et ça passe assez bien parce qu'il y a énormément de gens qui circulent, beaucoup de réfugiés, donc les logeurs ne font pas forcément très attention à qui ils reçoivent. Lundi 23 juin 1941, Mendès respire librement son premier jour de vraie liberté supposée par un chaud soleil. Une fois installé, il réfléchit à l'organisation de son séjour à Y, et à la préparation de la suite du voyage jusqu'à Londres, devenu désormais son objectif absolu, puisqu'il n'a jamais pu rejoindre son unité au Maroc. D'abord, qu'en est-il de son évasion? Est-il toujours activement recherché? Sa logeuse lui procure quelques journaux. Rassuré, il n'est pas question de lui. Il note, Darlan et Marion, qui étaient le secrétaire général du gouvernement de Pétain, en interdisant que ni ma fuite, ni aucune photo de moi ne soit communiquée à la presse, se sont privés d'une belle chance de me retrouver. Les premiers jours s'écoulent monotones. Il faut manifestement penser à changer son apparence physique et se créer une nouvelle identité. Mendès se rend à Grenoble pour se procurer en papeterie, des petites imprimeries et divers magasins, le matériel nécessaire pour fabriquer des faux papiers. Et bien sûr, les indispensables tickets de rationnement. Il remarque, je lis dans un journal et j'apprends que le gouvernement vient de promulguer une loi contre ceux qui utilisent des cartes d'alimentation falsifiées ou irrégulières. Ils sont désormais passibles de la peine de mort. Je n'ai plus qu'à choisir entre la mort par inanition ou la mort par guillotine. Il obtient aussi des commerçants grenoblois, des tampons, des échantillons de formulaires administratifs, etc. Il achète aussi des produits pour se maquiller, des lunettes de lecture, une pipe et du tabac, elle laisse pousser sa moustache. Cela modifie l'apparence de cet homme de 34 ans et lui fait adopter de nouvelles attitudes, une gestuelle différente qui vont le vieillir. Mendès se fait faire des photos d'identité et pour quelque temps, il sera Jean Besson, mais il se trouve bien, bien laid sur cette photo. Cette année 41, les événements s'accélèrent aussi bien du point de vue politique et militaire en Europe que de celui de la situation intérieure à la France, notamment en zone libre. L'extérieur, l'Allemagne envahit brutalement l'URSS le 21 juin. À l'intérieur, suite à un recensement démographique mis en place avec force questionnaire obligatoire et enquête dans les maisons et les immeubles, Vichy a renforcé les effectifs de la police par la création d'une unité paramilitaire de droite, le service d'ordre de la Légion. Le 26 juillet 1941, les journaux annoncent l'assassinat de Max Dormoy,
l'ancien ministre de l'Intérieur du Front populaire que Mendès connaissait bien. La persécution et les rafles des Juifs se multiplient, comme l'arrestation des communistes. Un matin, les journaux annoncent que M. Mendès France, ancien sous-secrétaire d'État au Trésor, condamné pour désertion par le tribunal militaire de la 13e région, est déchu de son mandat de député, les députés de l'heure. C'était un an auparavant, les Allemands qui occupaient Louviers depuis le 29 juin 40 s'en étaient chargés parce qu'il était juif avant même que Vichy ne le fasse. Cette nouvelle n'était pas la dernière fraîcheur, mais il constate qu'on ne l'oubliait pas. L'adresse de son gîte à Y risque de devenir un piège. Mendès décide brusquement d'aller se fixer pour un moment à C, c'est la ville de Chambéry. Il note, je m'étais donné 6 semaines d'inaction totale pour attendre et voir comment la situation évolue. Je n'ai plus la patience de rester ici. Je vais partir pour Chambéry, d'où je pourrai organiser l'évasion nouvelle que je mérite. En gare de Grenoble, Mendès alerte une carte d'abonnement de la SNCF qui lui permet de voyager sans les billets sur lesquels sont mentionnées les dates de circulation et les villes de départ et d'arrivée, ce qui pourrait éventuellement constituer pour la police une piste de recherche. Installé à T, Mendès profile son plan de route clandestin vers l'Angleterre et complète ses préparatifs matériels destinés à changer d'allure. Il achète un costume d'occasion, banal et neutre, et un béret qu'il ne quittera plus sauf pour dormir. Cinéphile averti, Mendès fréquente aussi les cinémas qui constituent un refuge précieux pour des après-midi entiers à l'abri des regards. À cette époque, les séances de cinéma sont permanentes, on entre et on sort de la salle sans se soucier de l'air ou de la fin du début du film. À l'automne 1941, les tensions entre le gouvernement français et allemand s'accroissent fortement. L'opinion publique française est horrifiée par les rafles et exécutions d'otages devenues massives en réponse aux attentats anti-allemands qui se multiplient. Mendès remarque « Comment les gouvernements français et allemands pourraient-ils collaborer lorsqu'au bruit des coups de feu dans les rues et les villes ouvrières répondent les salves des pelotons d'exécution et les cris de vengeance des familles innocentes ?» L'arrestation des communistes et des juifs récemment naturalisés et les fils des plus anciennes familles de France qui ont été par la suite fusillés pêle-mêle. La répression allemande a été effroyable. Ces rencontres devant les pelotons d'exécution ont démontré la généralité de la résistance. Au cours de l'année 1941, Mendès redoutait d'être connu et se dirige par étapes vers Chambéry et Annecy, puis Thonon sur la rue française du lac de Genève pour tenter de passer en Suisse. Pendant toute cette période, jamais il ne fera nommément allusion à un seul des contacts qui lui ont facilité ses déplacements et son hébergement. Les noms des relations et amis qui ont pu l'aider pendant l'occupation ne seront ni voilés ni identifiés avant 1945. À Genève, comment Pierre Mendès France a-t-il poursuivi sa route vers la liberté avant d'y arriver ? Il précise dans son livre « Liberté, liberté chérie » qui a été publié aux États-Unis en 1943 « Comment je suis allé de Clermont à Londres ? Non, je ne peux pas le dire encore. Plus tard, après la guerre, peut-être, ce sera une autre histoire à raconter. Le lecteur excusera ma discrétion provisoire dont il comprendra les raisons évidentes. » En 1977, 35 ans plus tard, les éditions Fayard reprennent avec Pierre Mendès France son manuscrit de 1943 le complète, l'enrichissent de nouveaux documents d'archives. Mendès écrit « Beaucoup de choses ne pouvaient pas être publiées en 1942 et je ne saurais pas bien les raconter après tant de temps passé. Mais certaines ont été rapportées assez exactement par M. Paul Dreyfus dans un livre qu'il a consacré aux histoires extraordinaires de la résistance et que je préfère reproduire ici. Nombre de zones d'ombre volontairement absentes dans la première édition sont remises en lumière et notamment cette réflexion. De 1941 à 1942, j'ai rencontré bien des gens hostiles à Vichy et à l'occupant, et qui écoutaient la radio de Londres et parfois sabotaient même un peu les productions utiles à l'ennemi. Mais j'en ai connu aucun qui ait une liaison sûre avec un grand réseau constitué ou avec De Gaulle. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais pu prendre part à la lutte clandestine en France même. L'occasion ne s'en est pas présentée ou très tard,
fugitivement à la frontière franco-suisse, comme on le verra. Et c'est ulcéré par un procès militaire pour désertion, je voulais une revanche qui referait de moi un soldat. Donc sa résistance n'est pas une résistance de terrain, mais une résistance morale et qui lui a permis de rester dans le contact et l'environnement des Français libres et d'y participer. À Thonon, Mendès rencontre Louis Duchesne, un pêcheur du lac courageux qui sert souvent de passeur avec son bateau, l'oncle Paul. Une barque de 6 mètres 50 à moteur silencieux, l'affaire est conclue. On lui trouve même une cache en attendant le moment propice pour traverser le lac. Mendès n'a qu'une hâte, traverser. En effet, M. de Rochefort, sous-préfet de Thonon, est l'un de ses anciens condisciples de Sciences Po, un collabo, un antisémite virulent. Mendès ne tient pas à le rencontrer au coin d'une rue. Une nuit du mois d'août 41, à Thonon, au port de Rives, il embarque avec Duchesne et part d'abord à la rame, sans bruit. L'émotion du passager clandestin est forte. La liberté n'est plus qu'à quelques coups d'aviron. Suffisamment éloigné de la côte, le patron du canot met le moteur en marche et le cap sur la Suisse. Mendès écrit dans ses carnets « Plus nous nous éloignons, moins je redoutais d'être poursuivi par les douaniers et les gendarmes français. Plus mes compagnons craignaient de tomber sur les douaniers et les gendarmes suisses. » En somme, durant toute la traversée, moins j'avais peur, plus ils avaient peur. L'embarcation accoste près de Lausanne et débarque Mendès. Elle repart aussitôt pour Thonon, pour y être avant l'aube. Les effusions et remerciements sont de courte durée. Arrivé à Genève, Mendès est logé chez une cousine de sa femme. Se voulant utile, il prend contact avec des éléments de la résistance française et rencontre un certain François Berthollet, dit Pierre Robert, membre d'une église protestante vaudoise, pour qui les sentiers transfrontaliers n'ont plus aucun secret. De Genève à Londres, c'est à Genève que Pierre Mendès France devient tout d'un coup polonais. En ville, à l'automne 1941, il rencontre un groupe de Polonais qui, eux, cherchent l'occasion de partir pour les Amériques. S'il réussit à les convaincre de les prendre avec eux, il a peut-être une chance d'aller au moins en Espagne, voire jusqu'au Portugal. Mendès se procure un faux passeport. Celui-ci est l'œuvre de deux diplomates polonais, Alexander Lados, ambassadeur de la République de Pologne en Suisse, et Konstanty Rekiszki, son consul. En janvier 1942, les Polonais réussissent à mettre sur pied leur départ. Mendès, alias Jean Besson, s'appelle désormais Jan Lemberg et son nouveau passeport est tamponné d'un visa pour Cuba. C'est vraiment la mondialisation dans la résistance. Il raconte, Jan Lemberg a rendez-vous avec eux à la gare de Genève-les-Eaux-Vives pour prendre un train à destination de l'Espagne. Interdiction absolue de descendre du compartiment durant toute la longue traversée de la France. À la frontière franco-espagnole, la Guardia Civile est particulièrement désagréable et sévère. Plusieurs Polonais sont refoulés sous prétexte que leurs papiers ne sont pas en règle. Pierre Mendès France est en Espagne. Il prend un train pour Barcelone, un deuxième pour Madrid et un troisième pour Lisbonne. À Lisbonne, Mendès se rend auprès des services consulaires britanniques qui promettent de traiter son cas le plus rapidement possible. Peu de jours après, l'intelligence service le joint et lui indique « C'est pour cette nuit, à bord d'un hydravion. Rendez-vous à 1h du matin. » Les Anglais l'accompagnent à l'embarcadère de l'appareil sur le Tage. Dans la nuit, sur le fleuve, l'hydravion de la Royal Navy laisse un long sillage brillant. Mendès amerrit en Angleterre sain et sauf le 11 février 42. Il écrit « Le 20 février 42, les consignes policières françaises me concernant furent levées. Ma photographie disparue du recueil des évadés recherchés. Monsieur Chavin, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, rendit compte à l'amiral Darlan que la presse suisse, anglaise et américaine avait annoncé mon arrivée à Londres et que la radio britannique avait confirmé officiellement mon engagement dans les forces françaises combattantes. En attendant d'avoir une affectation militaire, Mendès reste à Londres en disponibilité. Mais il brûle d'envie de se rendre à New York, retrouver sa femme et ses enfants, qu'il n'a plus revus depuis Casablanca en septembre 40.
De Gaulle lui accorde cette permission, mais lui demande d'entrer en rapport avec les Free French et les autres Français présents sur le sol américain pour les rallier à l'offensive. Il a aussi la mission d'informer les politiques américains de ce que le général de Gaulle a entrepris à Londres avec le soutien de Winston Churchill contre l'avis de Roosevelt. New York, New York. Pierre Mendès France séjourne aux USA du 15 avril au 26 octobre 1942. Pendant ces quelques mois, Mendès se repose, retrouve des forces et se ressource en famille. Cette période de joie et de détente est inespérée. Il en profite pour mettre au net les souvenirs et les notes qu'il a réussi à conserver jusqu'ici sur les deux années épouvantables, physiquement et moralement, qu'il a vécues avec volonté et courage. Il entreprend d'achever le livre « Liberté, liberté chérie », qu'il conçoit comme une œuvre de combat avant d'en engager de nouveau pour la libération de la France et l'affirmation des valeurs républicaines. Il profite donc de sa présence à New York pour prendre les contacts avec les Free French et les autres Français. Les Mendès France sont très proches d'Henri Laugier, l'un des savants français les plus engagés dans la mobilisation scientifique de la France libre à New York, et de Claude Lévi-Strauss, dont la famille est pendant ce temps à Valrhône. Le 26 octobre 1942, Mendès repart pour Londres, Lili Mendès France et les deux garçons restent à New York. Ils ne se retrouveront tous à Paris qu'en septembre 1947. En octobre 1942, Mendès intègre le groupe Lorraine. Là, je vais raccourcir un petit peu le propos parce qu'il y a beaucoup d'extraits. C'est un journal de bord qui de rédige pendant quelques semaines, un mois, entre juillet 43 et novembre 43. Il dit énormément de choses sur la façon dont les Anglais les ont accueillis, à la fois avec reconnaissance de regagner de leur combat, et en même temps les traite un peu de haut parce que ces Français ont perdu la guerre et qu'eux, ils sont seuls à résister aux nazis. Alors, bien sûr, l'Angleterre a empêché que la Grande-Bretagne soit envahie, mais elle est complètement tributaire des Américains qui ne sont pas encore décidés à ce moment-là de les aider financièrement et militairement, mais pas décidés à participer. Le moral des Free French s'en ressent. Jusqu'alors, ce rôle s'ajoutant, ils se ressentent de cette situation. Lorsqu'à ce rôle qu'ils ont à jouer, s'ajoutent les ordres et les contre-ordres, les débriefings irréguliers, les retours de vol de nuit épuisants, les annulations de missions à la dernière minute, alors que le clairon de service les a tirés en urgence de leur lit à 3 heures du matin. Romain Gary, d'ailleurs, relate dans un de ses livres cette situation qu'il a partagée avec eux et Mendès. Mendès exprime souvent son désarroi et son agacement devant ses comportements. En novembre 1943, Mendès fait la connaissance de Gaston Defre, résistant sur le terrain en France, et qui se rend à Alger auprès du général. Il lui indique que le général pense que le Comité de libération nationale devra devenir le gouvernement provisoire de la France et qu'il a besoin de lui aux finances. Mendès écoute, il a déjà fait savoir au général qu'il souhaite rester un combattant, de préférence au groupe Lorraine. Le 10 novembre 1943, Mendès note « Au retour d'un vol, les camarades me félicitent de ma nomination au commissariat aux finances. J'ai du mal à prendre leurs compliments au sérieux. Je crois d'abord une plaisanterie, à peine spirituelle. Seule la lecture des journaux me confirme que je fais partie du comité de libération, remanié hier par le général de Gaulle. Le point le plus important est le refus des communistes de participer à la combinaison. C'est un point à voir de très près. » Le 16 novembre 1943, Mendès fait ses adieux au groupe Lorraine, se rend à Londres et s'envole pour Alger. Le 17 novembre 1943, Mendès est à Alger. Sa terrible période du politique en résistance est terminée, même si la guerre n'est pas tout à fait. Il retrouve là un autre combat, le combat démocratique et une activité ministérielle qu'il connaît bien. Il est commissaire aux finances du Comité de libération nationale, puis du gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle. Pierre Mendès France sera ministre de l'économie nationale de novembre 44 à mai 45. Y a-t-il, pour en conclure, un charisme et un mystère Mendès France? Les qualités dont Mendès France a pu faire preuve pendant les années tragiques que nous venons d'évoquer se forgent d'un caractère dans les épreuves à l'adversité l'ont conduit
par la suite, à maintes reprises tout au long de sa carrière, a renoncé au compromis et à s'opposer parfois jusqu'à la démission de ses fonctions ou à l'abandon pur et simple de ses mandats électifs. Ses rendez-vous manqués à cause de ses positions et oppositions, particulièrement son désaccord avec le général de Gaulle sur la Constitution de 1958, ont mis fin trop tôt à sa carrière et l'ont privé d'exercer les plus hautes fonctions de la République parlementaire, démocratique, laïque et moderne dont il rêvait, et qu'un parcours hors normes laissait espérer. C'est toutefois par une présidence du Conseil éclair de 7 mois couronnée de succès des accords de Genève en 1954 que Mendès a su gagner l'estime et la confiance des Français en leur parlant notamment à la radio. Il demeure une référence singulière à leurs yeux, sans doute parce qu'il représente une exception dans sa conception exigeante de la chose publique. Son intégrité exemplaire repose sur une morale de la politique. Cet homme affable et simple, accessible à tous, ne transigeait jamais sur les principes républicains et sur la parole donnée. Il y a plus de 75 ans, le 8 mai 1945, la Deuxième Guerre mondiale se terminait. Pierre Mendès-France y a combattu. Rappelons qu'il était commandeur de la Légion d'honneur, Croix de guerre 39-45 et médaillé de la Résistance. Pierre Mendès-France est décédé le 18 octobre 1982. François Mitterrand, nouveau président d'une république qui avait fâché Mendès avec de Gaulle, lui rendit un bel hommage dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Pierre Mendès-France nous laisse une foi, une méthode et un exemple. Sa foi, la République. Sa méthode, la vérité. Son exemple, l'inlassable combat pour le progrès et la paix. Je vous remercie. Alors, je voudrais tout d'abord m'excuser d'avoir beaucoup bégayé, mais ayant été récemment opéré de la cataracte, j'ai les yeux qui pleurent beaucoup et qui me troublent la vue. Donc, la lecture était moins facile. Vous m'en excuserez. Merci beaucoup Francis Delabarre pour cette présentation qui tombe très bien pour l'anniversaire de la victoire de 1945. En définitive, on aurait voulu faire ça, on n'aurait pas réussi, voilà, avec tant François. Donc nous sommes très contents d'avoir choisi cette date du 8 mai pour cette communication remarquable de Francis Delabarre, qui connaît parfaitement son sujet et qui nous a présenté avec beaucoup de vie ce personnage absolument remarquable qui a marqué l'histoire de la 4e République d'une façon extraordinaire, alors qu'en définitive, il n'a été au gouvernement, Francis Delabarre vient de le dire, que 7 mois. Ouais. Et bien, pourtant, son héritage intellectuel et son souvenir sont très présents dans la mémoire des Français. Donc, si vous le permettez, j'ouvrirai la séance de discussion, s'il y a des interventions, vous levez la main et Claude Balny, et vous activez votre micro. Hein, est-ce qu'il y a une question, un commentaire à faire? S'il n'y en a pas, je voudrais dans un premier temps faire une observation. Pierre Mendès-France, donc, a été une des personnalités remarquables de cette 4e République et les quelques mois où il a été président du Conseil ont été des mois absolument déterminants dans l'histoire de la 4e République. Je voudrais simplement donner l'exemple de ce qui s'est passé dans le domaine de la santé à l'époque de Pierre Mendès-France, pour voir un petit peu, pour mesurer les limites de la démocratie sous la 4e République. Lorsque la France s'est retrouvée à la libération, après les deux guerres mondiales qui avaient totalement brisé le système de santé. La médecine, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, c'est pas uniquement en France, mais en Europe, est en lambeau. Les hôpitaux ne recevaient plus de crédit, les facultés de médecine non plus. La médecine française, comme la médecine européenne, était en ruine, alors que la médecine américaine avait fait des progrès considérables.
Et lorsque un groupe de scientifiques français, en particulier conduit par Jean Dossé, s'est mis à réfléchir dans les années 47-48 à un plan de réforme de l'enseignement médical, de l'accueil des patients dans les hôpitaux et de la recherche médicale, ils ont été énormément soutenus par Pierre Mendès France, qui leur a demandé de créer un comité et de faire un début de proposition de loi. Et cette proposition de loi sur la réforme des études médicales, du système de santé et de la recherche médicale en France a été présentée en 57, à l'Assemblée nationale. Pierre Mendès France n'était plus président du Conseil, mais c'est lui qui a présenté ce projet qui a été refusé par l'Académie française, par l'Assemblée nationale. Et heureusement pour nous, pour la médecine et pour la France, heureusement, la personne qui, à côté de Jean Dossé, a mené toute cette réflexion était le professeur Debré, Robert Debré, et il s'est trouvé que Michel Debré, son fils, parlait de cette réforme au général de Gaulle, et le général de Gaulle l'a accepté en bloc et l'a signé sous forme de décret en décembre 1958. Et ce qui fait que la médecine française a pu se redresser à cette époque grâce aux ordonnances du général de Gaulle en 1958. Un projet qui avait été totalement abandonné, qui avait été refusé par la représentation nationale un an plus tôt. Je voulais donner cet aperçu de la réforme des études médicales, de l'enseignement médical, de la recherche médicale à ce moment-là. Alors, y a-t-il d'autres commentaires ou d'autres questions? Non. On parle du verre de lait. Le verre de lait. Oui, Jean-François. Jean-François, on a levé la main. Merci à Francis pour cet exposé remarquable. Et je me suis dit que. Avec l'approche de ce personnage, effectivement méconnu, y compris de moi d'ailleurs, je le confesse, on aborde une question qu'on devra certainement développer dans les commémorations de la Seconde Guerre mondiale de la résistance, la typologie des résistances, de la résistance. Parce que dans l'imaginaire français, le résistant, c'est le maquis, etc. Et là, on a une approche tout à fait spécifique, bien évidemment, à nul autre semblable, même s'il a eu des compagnons qui ont suivi un chemin analogue. Mais tu as dit à un moment donné, Francis, que c'était, je crois, en 1942, qu'il avait écrit qu'il n'avait connu aucun réseau et l'occasion ne s'est pas présentée d'y rentrer. Bon, il y a le réseau Lorraine après. Est-ce qu'il a été, à un moment donné, tenté par la résistance armée, disons, dans les maquis, ou pas du tout? Oui, c'était un tout autre cheminement. Non, il le dit implicitement en disant qu'il s'est rendu compte qu'il aurait pu faire quelque chose et qu'il n'a pas fait. Il a fait quand il a rencontré ce pasteur vaudois, qui était quelqu'un qui avait une connaissance parfaite de tous les sentiers transfrontaliers. Il a emmené Mendès faire des passages en France, de tous les côtés du lac Léman, enfin, aussi bien du côté français avec des Suisses que du côté suisse avec des Français. Il a eu une obsession, c'est que quand il était extrêmement rigoureux dans ses convictions et il voulait rejoindre son unité où elle se trouvait d'abord à Bordeaux. Il était pilote, il n'était pas pilote, il était observateur. Il a été capitaine après, il a été élevé au grade de capitaine par le général de Gaulle, mais il était, quand il faisait son stage en Syrie, il était lieutenant, et il faisait un stage d'observation. Donc, dans les bombardiers, quand il partait en mission sur la France, le pilote était un lieutenant ou un sous-lieutenant, et lui, il était observateur, c'est lui qui déclenchait les bombardements. Et donc, il raconte, je ne l'ai pas dit là parce que c'est beaucoup trop long,
Il a complètement rasé la centrale électrique de Chevilly-Larue, en région parisienne, qui alimentait tout le sud de Paris en électricité, et la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux et Paris-Orléans. Donc, il était un militaire, il était un soldat, et il ne s'est pas intéressé, il suivait, mais lui, son idée, c'était de rejoindre son unité. Il voulait laver l'affront d'avoir été jugé pour désertion, ce qui était faux, parce qu'il avait un ordre de mission du ministère de l'Air à Paris pour rejoindre cette unité. Donc, ça a été une obsession. Et la cavale qu'il a eue entre 1941 et 1943, à travers toute la région grenobloise, puis l'Espagne, le voyage qu'il a fait qui a été assez dur, je suis passé assez rapidement là-dessus, et pour rejoindre Londres, et séparé de sa famille. Sa famille était à l'abri, elle était aux États-Unis, mais ses parents étaient à Paris, et ses parents avaient été arrêtés, ils ont réussi à s'évader et à passer en zone libre, et ils n'ont pas été inquiétés le reste de la guerre. Il avait l'esprit de résistance, mais dans le cadre de ses fonctions. Et il n'a pas cherché à. Alors, d'abord, Mendès était quelqu'un qui n'était pas du tout sportif. Il s'est forcé à faire un peu de gymnastique dans la prison pour arriver à faire son saut de 7 mètres dans l'avenue qui bordait le mur de la prison. Mais c'était pas un sportif, c'était un haut fonctionnaire avec un bureau et un fauteuil et pas de sport comme le font aujourd'hui peut-être même nos présidents de la République. Oui, effectivement, c'était un militaire qui voulait retourner au combat. Absolument. Dans son... Il voulait son honneur. Ouais. Il voulait laver absolument son honneur. Il voulait laver son honneur. Oui, je voudrais poser une question pour la période de l'immédiate après-guerre qui n'est pas claire pour moi. Il est près de Gaulle, c'est quelqu'un qui s'occupe de finances et je sais qu'il a été absolument opposé à de Gaulle sur la façon dont on a rétabli la monnaie ou les finances. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ce point? Oui. Alors d'abord, il a commencé par s'opposer sur ce plan. Tout ce qui était finance et économie, il était extrêmement compétent. En tout cas, il s'estimait tel. Et je pense qu'il était reconnu pour ça aussi. Il a commencé à s'opposer à Léon Blum. Ça a été une des premières oppositions. Il était secrétaire d'État au Trésor et il n'était pas d'accord avec Blum sur la politique économique de Blum. Après, au moment où De Gaulle, pendant toute la période résistance, Londres, etc., ils étaient au combat. De Gaulle montait la résistance et préparait le gouvernement à se transférer à Alger d'abord, puis revenir à Paris. Donc, il ne s'est pas occupé de finances. Mais quand il a compris qu'il fallait que les Français libres à Alger se transforment en deviennent un gouvernement qui viendrait gouverner la France à Paris, il a appelé Mendès parce qu'il était confiant dans son expertise. Sauf que De Gaulle a fini par accepter Pleven comme ministre des Finances et faire la politique de lâcher l'argent sur la France pour la reconstruire, alors que Mendès voulait une politique de rigueur qui consisterait à récupérer de l'argent pour pouvoir reconstruire, mais en gérant cet argent et pas en dépensant complètement comme ça, comme on a un peu l'impression que ça se passe aujourd'hui avec les milliards qui nous tombent sur la table. Donc, il a démissionné. Et donc, Mendès n'était pas quelqu'un qui transigeait avec ses convictions. Donc, il a démissionné plusieurs fois et il a même, après un échec en 58 et puis après 68, et il a lâché complètement tous les mandats. Même Louvier, ça a été terminé. Il a gardé sa maison à Louvier, où j'ai pu aller, mais il n'a jamais transigé là-dessus. Donc, il a été gaulliste dans la guerre et l'action, et la résistance morale et effective, mais pas sur le terrain, et après il s'est opposé politiquement à De Gaulle. Il s'est opposé politiquement à De Gaulle, bien qu'il ait voté pour en 58 pour De Gaulle. Non. Non. Si, si, si. Pour l'élection, mais pour l'élection. Aux législatives, il a été battu. Voilà. Législatives de 58 qui ont suivi l'élection. L'Assemblée nationale, il a voté pour l'arrivée du général de Gaulle. Oui, parce qu'ils n'avaient pas encore parlé gros sous entre eux. D'accord. Michel Barbeau, notre général d'aviation.
Merci, monsieur Delabarre. Très intéressant cet exposé. Juste une petite remarque, il a quand même été élu député de Grenoble en 1967. Oui, et balayé en 1968. Il a été battu en 68 et il a rencontré le général de Gaulle. Il ne s'était pas vu depuis très longtemps lors d'une visite de celui-ci à Grenoble. Oui. Bon, ça, c'est anecdotique. Moi, je vois une petite, point commun, enfin, un lien avec Raymond Aubrac. Le 21 oui. juin, Raymond Aubrac oui. est arrêté en 1943 et le 21 juin 1941, Mendès-France oui. s'évade. Bon, je trouve ça assez cocasse. Et puis aussi un lien avec Jean Moulin. Jean Moulin était aviateur, Mendès-France était aviateur. Bon, accessoirement, je l'étais aussi. Et puis Raymond Aubrac raconte, j'en ai parlé l'autre jour, c'est son problème lorsqu'il était préfet de la région PACA-Corse, où il devait décider du niveau des prix à mettre en œuvre, donc à appliquer en région PACA, et il y avait des dissensions entre Mendès-France, qu'il a rencontré à plusieurs reprises comme responsable des finances, et M. Pleven, et tous les deux s'opposaient sur la politique. Oui. Je voulais montrer ce livre dont M. Delabarre oui. a parlé, que j'ai lu dans ma jeunesse, qui est donc un tribunal au garde à vous, et qui est vraiment très très bien fait, et Jean-Denis Brodin de l'Académie française explique bien tout ce qu'a raconté M. Delabarre, la manière dont Mendès-France, notamment, s'est évadé. Et on voit sur cette photo, là, vous ne voyez peut-être pas, son camarade Edgar Faure, oui. qui était présent au procès, hein, c'est ça oui. Et qui, ensuite, ils se sont un peu opposés en politique. Edgar Faure et Lucie Faure sont venus le voir à la prison, à Clermont. Voilà. Et alors, j'ai une petite question à vous poser, M. Delabarre. Ces enfants, les enfants de Pierre Mendès-France, sont-ils toujours de ce monde ? Non, ni l'un ni l'autre. Et Bernard Mendès-France, l'aîné, je les ai connus tous les deux, et Michel longtemps, mais Bernard est décédé avant que l'album que j'avais fait en 92, Pierre Mendès-France, La passion de la vérité, on a choisi des photos ensemble dans les archives de Pierre Mendès-France. Mais Bernard est mort d'un cancer avant la sortie du livre, il ne l'a jamais vu. Alors Bernard est donc mort en 92, avant la sortie du livre, et Michel Mendès-France est mort en 2018. Il était mathématicien. C'était un mathématicien à l'université de Bordeaux. Et son petit-fils ? Non. Alors, une autre question, un autre commentaire ? Oui, Dupont-Mono. Activez votre micro, monsieur Dupont-Mono. Voilà, vous m'entendez ? Voilà, vous m'entendez. Alors, je voudrais apporter deux points de précision. D'une part, sur la période de Mendès résistant au sein de l'escadrille Lorraine, et une deuxième sur les raisons du désaccord de Mendès avec De Gaulle en 1945. Alors, sur le premier point, il faut souligner à quel point, lorsque Mendès arrive à l'escadrille Lorraine en 1943, ça a été très difficile pour lui de s'adapter au matériel américain qu'il ne connaissait pas du tout. C'était des Douglas A-20 Avoc et ensuite Boston. Pour le général Barbeau, qui était comme ça. Et Gary l'a beaucoup aidé à s'intégrer à ce matériel. Et il est resté entre les deux hommes une vraie amitié, un tutoiement qui était une fraternité d'armes, malgré la différence de caractère et de personnalité qui a survécu. Et en même temps, concernant la belle famille de Mendès-France, qui étaient les Sicurelles étaient de très riches négociants du Caire,
ou d'Alexandrie, je ne me souviens plus, et il leur est arrivé une chose épouvantable, c'est qu'ils étaient parmi les premiers financeurs des Français libres en Égypte, qui se sont beaucoup appuyés sur eux, ne serait-ce que pour les commodités quotidiennes quand les Français étaient en Égypte, et ils les ont ensuite beaucoup aidés jusqu'à Téhéran, en particulier l'équipe de Normandie-Niémen, qui avait été partiellement financée par les Sicurels. Et il est arrivé à la belle famille de Mendès France en Égypte, quelque chose d'épouvantable, ils ont été assassinés tous les deux dans leur maison pour les voler par des brigands égyptiens. Donc, on retiendra quand même de cette épopée dont Mendès était très fier dans les FAFL, dans les forces aériennes françaises libres, son attachement à ses forces de FAFL et son amitié avec Gary, qui avait exactement le même rôle que lui. Il était capitaine observateur bombardier dans les A-20. Donc, ils avaient exactement la même fonction et ils se remplaçaient l'un l'autre. Ils étaient en binôme, si je veux dire. Alors, en ce qui concerne les raisons de la divergence entre De Gaulle et Mendès France en 1945, elles portent sur deux points. D'abord, elles portent sur le point beaucoup plus général de la politique monétaire. La politique monétaire en général, Mendès n'était pas pour les politiques monétaires traditionnelles et avait été très influencé par les politiques américaines du New Deal qui consistaient à pouvoir accorder des crédits de développement. Et en même temps, il se posait un problème tout à fait aigu en 1945, c'était qu'est-ce qu'on allait faire est-ce qu'on allait garder les anciens francs? Est-ce qu'on allait garder la validité des francs? Ou est-ce qu'on déclarait qu'on créait une nouvelle monnaie avec l'obligation de rendre les francs pour l'échange d'un nouveau franc, c'est-à-dire déjà à l'époque? Et la référence de Mendès était l'expérience belge. Parce que la Belgique avait, comme en Belgique comme en France, il y a eu évidemment un énorme marché noir qui avait entraîné une énorme circulation d'argent et une énorme accumulation de richesses mal acquises. Et le ministre belge de l'époque, résistant évidemment, qui arrive au pouvoir en 1945, dit « Pour obliger les gens à sortir leur argent, dont en particulier ceux qui l'ont amassé pendant la libération dans des commerces, etc., on a supprimé, au fond, on a obligé tout le monde à changer son argent. Donc, il fallait forcément sortir l'argent qui était en réserve. Et pour des raisons qui étaient probablement des raisons qui étaient compliquées pour ne pas se dresser le monde contre lui, toute une partie des gens qui avaient de l'épargne et qui ne voulaient pas le montrer, De Gaulle a hésité et Pleven, qui était lui beaucoup plus classique d'abord par rapport à la politique monétaire qui était un orthodoxe, ne voulait pas changer. Et De Gaulle, sur un plan politique, la décision était politique, refuse, en fait, écarte l'idée d'abolir la valeur du franc et d'obliger à un changement du franc. Et Mendès, qui était, c'était un de ses défauts de la personnalité de Mendès, qui était absolument intransigeant, alors qu'il aurait pu, on aurait pu trouver par la suite d'autres commandements, a immédiatement rendu son poste au général de Gaulle, puisqu'quand il s'est aperçu qu'il refusait son plan monétaire. J'insiste encore sur son plan monétaire, c'est moins sur un plan économique que sur un plan monétaire. Voilà. Hervé, le livre qui est sorti en 2018, qui s'appelle « Les carnets de résistance », ouais. Sont non seulement ces carnets, mais une réédition du livre de 43 édité à New York, qui s'appelle Liberté, Liberté chérie, plus une masse de notes et de courriers échangés avec les politiques, les financiers, etc., qui donnent énormément de renseignements. C'est presque 900 pages d'archives. D'accord. Qui étaient mal connues et bon, ben, cool. Qui sont maintenant regroupées en un seul bouquin aux éditions du CNRS. D'accord. Merci. Notre question, oui, monsieur. Je ne sais pas si on le voit, mais je voulais dire que c'est le livre que je laisse à l'Académie et qui sera consultable dès que nous pourrons nous réunir. Préfacé par Denis Brodin. Voilà. Préfacé par Denis.
Alors, Monsieur Vigneron a une question. C'est pas une question, c'est seulement un commentaire qui sera très bref. En fait, on voit bien après ce bel exposé de Monsieur Delabarre et qui reprend son livre que beaucoup d'entre nous ont, qui est connu, La Couture, qu'on a certainement tous ou presque, eh ben, on voit que Mendès France n'a pas du tout disparu de la mémoire des Français. Il est extrêmement présent. On vient de voir avec M. Dupont-Moneau des précisions extrêmement précises. D'autre part, Romain Gary non plus n'est pas disparu de la mémoire des Français. Il est très étudié au lycée. Et quant à Mendès, ben, croyez bien, vu il a été le plus jeune agrégé de droit en France, il avait 23 ans quand il a eu l'agrégation de droit, et il reste une sorte de mythe, comme Paul Nizan peut en être un autre, ou des gens comme ça, il reste un mythe aux écoles normales supérieures, et je vous prie de croire que dans les concours d'entrée aux écoles normales supérieures, eh ben, le nom de Mendès est toujours cultivé, et on connaît ce qu'il a fait, on connaît son histoire avec beaucoup de détails. Donc c'est bien, c'est toujours bien de réactiver cette mémoire, mais ne croyons pas qu'elle soit éteinte ou en voie d'extinction, bien que cela fasse 80 ans déjà maintenant, et plus encore si on considère qu'au fond, né en 1907, il a couvert quasiment tout le XXe siècle. Tout le monde se souvient de l'avoir vu en quelque sorte transmettre le flambeau à François Mitterrand lors de la cérémonie d'investiture à l'Élysée en 81, et tout le monde se souvient des célébrations que la République a faites à Mendès France en 82 lorsqu'il est mort. Mais aujourd'hui encore, tout le monde se souvient de lui à travers de plein d'endroits qui s'appellent Mendès, etc. Enfin, donc, continuons d'entretenir cette mémoire. Le président de Dél a fait part de ce qui s'est passé avec les jeunes Turcs qui ont mené Jean Dossé en 1954, quand ils ont eu poussé par Mendès, c'était à Rouen qu'ils ont été poussés par Mendès. Ils sont allés chercher l'immense, magnifique Robert Debré pour les coiffer, parce que lui, il était un homme célèbre déjà, Robert Debré à l'époque. Et ils sont parvenus à mûrir de 54 à 57 et même 58, ce qui a fait les ordonnances, c'est-à-dire la création des CHU, le temps plein hospitalier et encore d'autres choses de cette nature, bien plus que ça même. Parce que le Robert Debré, il avait fait pour le Comité de Libération Nationale à Alger, il avait écrit d'ailleurs avec Alfred Sauvy un petit ouvrage que j'ai, qui est très rare, sur un programme de santé pour l'après-guerre, dans lequel il avait prévu que le premier échelon, la médecine de base, soit organisée avec des trucs qui ressemblent aux maisons de santé qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui. Donc, c'était déjà très novateur, etc. Donc, il a aussi, Mendès, président de Dél, aurait pu le rappeler parce qu'il le sait aussi, comme moi, on est prof à la fac, donc on le sait, à Rouen, en même temps qu'il soutenait Dossé et sa bande pour réformer l'étude médicale, il en a soutenu d'autres pour réformer l'université. Ça a été beaucoup plus long parce qu'elle était encore plus ossifiée que les facultés de médecine, les universités de droit et de lettres, c'était quand même pesant, mais ça a débouché. Donc, au fond, la mémoire de Mendès, on la voit toujours. Et puis, combien d'entre nous n'ont pas conservé la pièce de 5 francs avec l'effigie de Mendès qui était sortie quelques années après sa mort? Voilà, j'ai été long, trop long, je vous prie de m'excuser, mes amis, mais merci. Monsieur Delabarre, je suis très heureux parce que je connaissais votre livre que j'ai, que vous avez co-signé avec Dartigues, et puis aussi le très magnifique, il faudra que vous en parliez un jour, fait avec Blanchard là, sur les images officielles de la France coloniale, qui est tout à fait magnifique et intéressant. Jean-François, tu dois le connaître, bien sûr. Merci. Mais tout ça pour dire que la mémoire de Mendès, elle est très vive en France et chez les jeunes également. Vous avez des enfants, des petits-enfants qui passent des concours, etc. C'est nos programmes. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous sur l'importance de la figure morale de Pierre Mendès France, qui est encore extrêmement présente dans les mémoires des personnes
en tout cas, moi, je pense des personnes qui ont vécu la période de, a été une des gloires de la 4e République. Et puis, on ne peut pas oublier l'Indochine et ce qu'il a voulu faire pour l'Algérie. La Tunisie. Maroc. Il a commencé pour la Tunisie et le Maroc. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Merci, Monsieur Vigneron. Un autre commentaire ou question? Je voulais juste dire à Jean-Pierre Dedec qu'il aurait pu nous parler du verre de lait. Oui, oui. Et des bouillères de cru. Ah oui, mais la télévision, la radio, c'était quand même... Monsieur Giron qui voulait parler. Monsieur Giron. Oui. D'abord, merci pour cette magnifique présentation. Et je voulais revenir sur la période, effectivement, où le gouvernement s'est partagé en deux, entre ceux qui voulaient résister et ceux qui sont soumis à Hitler. Et on a l'impression, dans le parcours que vous avez présenté de Mendès France, que finalement, il s'est trouvé un peu seul et que, quand, du fait qu'il était quand même haut fonctionnaire, il avait tout un réseau de relations. Et on a l'impression, à part quelques-uns que vous avez cités, il s'est trouvé seul, sans pouvoir avoir des appuis pendant ce parcours pour aller jusqu'à Londres. Est-ce que vraiment il était seul ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions que lui en quelque sorte et avec qui il aurait pu collaborer compte tenu de son impact déjà jeune d'homme d'État? Il n'était pas seul, mais il était a posteriori extrêmement discret sur toutes les personnes qui l'ont aidé et qui l'ont connu. Alors il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui et qui avait une position relativement ambiguë, c'est le général Dastier de la Vigerie. Dastier de la Vigerie était tout à fait opposé au Front populaire, il était de droite et n'était absolument pas d'accord avec les politiques qui avaient été suivies à ce moment-là. Il se trouve qu'il était, je l'ai dit, il était commandé l'armée de l'air en Afrique du Nord, et qu'il connaissait Mendès de réputation, il ne le connaissait pas personnellement, et qu'il a été très choqué de ce qu'on lui avait fait et de ce qu'on était en train de lui faire parce qu'il était juif et parce qu'il était dans le collimateur des gens de Vichy. Alors, l'acier de la Vicherie, là, dès que Mendès France est descendu du Massilia, l'a pris sous son aile et l'a intégré dans ses services au Maroc. Sauf que c'est le gouverneur général Nogues qui commandait au Maroc et que lui suivait les ordres de Vichy et de Pétain. Et c'est effectivement Darlan et Pétain qui ont décidé que Zay et Mendès ne pouvaient pas rester comme ça en Afrique du Nord et qu'il fallait les rapatrier en France et les condamner. Et en tout cas, les éjecter de l'armée. D'Acier de la Vigerie a témoigné à Clermont et a soutenu Mendès. Et il avait toujours été extrêmement réglo avec, alors qu'il n'était pas d'accord avec lui sur le plan politique, mais il a gardé ce rôle d'honnête homme. Mais effectivement, Mendès ne parle pas beaucoup des gens. Il faut penser que tout ce qu'il a rédigé pendant la guerre, que ce soit ses carnets ou le livre Liberté chérie, il l'a fait alors qu'il n'était plus dans le coup de l'administration et qu'en plus, tous les gens qu'il connaissait avant-guerre et les gouvernements où il avait participé, eux étaient déjà en prison, en tôle ou morts. Beaucoup avaient été assassinés en cours de route. Hein. Merci pour cette réponse. Une autre question, un autre commentaire? Donc, Jean-François, nous allons peut-être clôturer notre séance. Alors, on voudrait, avec Jean-François, vous annoncer que l'anniversaire de l'Académie des Hauts-Cantons, qui avait été programmé primitivement le 5 juin, dû à la situation sanitaire, sera reporté au 4 septembre. Et au 4 septembre, nous serons invités à l'Odèse. Et c'est Henri Tesserin qui organise cette séance, qui organisera cette journée ou cette demi-journée. Jean-François, est-ce que tu as des commentaires à nous faire, des mises au point indépendamment d'une recommandation à chacun d'entre vous de vous connecter régulièrement sur le site internet de la
de l'Académie des Hauts-Cantons, où vous trouverez toute une série d'informations, et en particulier les communications enregistrées grâce à Claude Balny. Et d'ailleurs, Claude Balny vous invite, nous vous invitons à vous connecter sur YouTube pour avoir les informations concernant l'arrivée de ces conférences lorsqu'elles sont enregistrées, lorsqu'elles sont mises en ligne. Alors Jean-François, je te laisse la parole pour la clôture. Merci, merci Jean-Pierre, merci Monsieur le Président. En effet, donc, l'anniversaire de l'Académie, traditionnel anniversaire annuel de l'Académie qui devait avoir lieu samedi 5 juin, sera donc, comme Jean-Pierre vient de vous l'expliquer, déplacé au mois de septembre, le 4 septembre. En fait, il faut encore organiser, n'est-ce pas, puisque tout a été un peu chamboulé, mais c'est ça que nous projetons avec la conférence d'Henri Tesserin sur une famille de l'Odève au 19e siècle et 20e siècle, les Luchères. Donc, Henri a déjà donné son accord. Il faut encore qu'on vérifie qu'on peut bien aller à la salle de l'Odève et puis ensuite aller déjeuner à l'Auberge du Lac. Ça, c'est le mois de septembre. Alors, pour samedi 5 juin, c'est donc notre confrère, membre correspondant, dont vous avez entendu le beau timbre de voix, Hervé Dupont-Mono, les guerres de Yougoslavie, dernier conflit européen au XXe siècle, et nous avons pensé avec Jean-Pierre encore sage de le faire en visioconférence. Parce que, c'est, vous savez, c'est ce système qu'on a bien connu pendant la pandémie du stop and go. On vous annonce qu'on va se réunir en présentiel, et puis ensuite on vous dit que non. Donc on va le faire en visio encore, avec Hervé Dupont-Mono, et donc voilà. Et puis, en principe, si tout marche bien avec notre confrère Jedj Ebodé, la première séance en présentiel de l'année 2021 aura lieu au Vigan le 3 juillet, et donc il y aura deux exposés de moi-même et de Gênes, je me mets moi-même en tête parce que c'est moi qui commencerai, sur le Cameroun. Vous aurez des informations là-dessus. Donc, voilà, disons que la programmation qui se déroule autour de la fin du printemps et début de l'été. Je renouvelle, après Jean-Pierre, mes remerciements à notre ami Claude Balny, fort dévoué, parce que vous savez, vous avez le produit fini de la conférence, et merci encore à Francis Delabarre d'avoir mis au point cette conférence, mais il y a tout l'amont qu'il faut ne pas oublier, l'amont technique, la préparation d'un petit PowerPoint, et puis ensuite les répétitions, parce que le conférencier se voit à l'écran avec Claude Balny. Enfin, je raconte ces petites questions techniques pour que nous soyons extrêmement reconnaissants aux conférenciers, bien évidemment, mais à Claude Balny qui fait cet énorme travail pour nous et qui nous permet ensuite de pouvoir revisionner sur le site de l'Académie. On vous l'a déjà expliqué, mais on vous réexpliquera ces conférences quand il les aura mises au point. La dernière, c'était celle de Marie-Christine Carré, que vous pouvez déjà voir. Et puis, Claude Balny nous recommande aussi de nous abonner à la chaîne YouTube qui permet cette diffusion. Voilà, en tout cas, merci infiniment à vous tous et vous toutes de participer. On n'a pas été très, très nombreux, il y a eu des excuses, et puis il y a des gens qui disent qu'ils vont se connecter, puis qui peut-être ne peuvent pas, ou le feront ultérieurement, puisqu'ils savent qu'ils peuvent revoir la conférence sur le site. Mais bon, nous sommes toujours quand même autour d'une vingtaine. Eh bien, merci beaucoup pour votre audience, pour votre merci bien sûr au conférencier qui nous a tenu en haleine sur les péripéties de l'évasion extraordinaire de Pierre Mendès France. Merci à vous tous qui avez fait des commentaires, qui étaient intervenus pour poser des questions ou apporter des éléments d'information. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne semaine, et nous nous donnons rendez-vous donc au mois de juin.